Ludovic de Beauvoir, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé au dernier grand débat de Financium portant sur les priorités du directeur financier en 2014. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions en amont. Quels sont les faits marquants des résultats de l'étude pour 2014 ? Alors effectivement, on vient de présenter les six grandes priorités que nous ont désignées les directeurs financiers. Alors forcément, l'effet marquant, il y a la première des priorités, la gestion du prévisionnel. Encore beaucoup de besoins d'évolution dans ce domaine. Il y a eu beaucoup de progrès faits sur la rapidité en matière de prévision, mais encore des grands sujets pour améliorer cette rapidité, passer de rythmes qui sont plutôt trimestriels à des rythmes mensuels. Mais l'essentiel des préoccupations tourne autour de la qualité des prévisions qui impose d'avoir des approches un petit peu différentes, plutôt orientées données et plutôt orientées mélange de données internes et de données externes. L'autre point marquant, c'est la deuxième priorité, qui est la performance et la maîtrise des risques, alors que l'année dernière, c'était la trésorerie qui était la deuxième priorité. En matière de performance et de maîtrise des risques, les directeurs financiers considèrent qu'ils doivent améliorer leur reporting de gestion en mettant plus d'indicateurs opérationnels dans ces reportings. Et dans ce sujet, on a également beaucoup parlé de systèmes d'information avec une relative insatisfaction des directeurs financiers sur la qualité des systèmes d'information qui imposent des approches un petit peu différentes de ces systèmes par rapport aux approches traditionnelles et d'avoir des approches qui sont beaucoup plus orientées sur la donnée elle-même. Donc ça, c'est la deuxième priorité. La troisième, la trésorerie. Bon, c'est toujours un enjeu, même si elle a reculé d'une priorité. Mais il y a eu beaucoup de travail de fait en matière de diversification des sources de financement, en matière de maîtrise des flux. Il y a des gros sujets de maîtrise des risques de change, notamment dans un contexte d'internationalisation. Donc ça reste quand même une priorité importante. Alors bien entendu, on a parlé d'autres choses, on a parlé de l'international. Et ce qui est intéressant dans les faits marquants également, c'est les deux dernières priorités. Puisque dans les deux dernières priorités, il y a le rôle et les compétences de la fonction finance. Et là, c'est un petit peu étonnant de l'avoir en cinquième position parce que c'est quand même un sujet qui est à la fois difficile et qui est une vraie préoccupation des directeurs financiers. Et puis le dernier sujet, qui est probablement le plus surprenant, dernier classement, sixième, la fiscalité, qui est à la fois une préoccupation énorme pour les directeurs financiers et en même temps, un constat, ce classement en sixième position, c'est le constat des directeurs financiers qu'ils maîtrisent très mal l'environnement fiscal. Mais malgré tout, ça reste quand même une préoccupation très très importante pour eux. Merci Ludovic de Beauvoir. Merci à vous.